Et les gens, bienvenue sur frappestage.fr ou sur mon blog 103.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur... On place le bras sur le côté. Assassin's Creed Rogue. Là, 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 ici, là, là. Là, partout. Merci Mirage, merci Isa. Donc, sur PC, un jeu qui m'a été offert par BG Summoner, encore ici, présent pour son 5e titre de... Koutal dans le dos, c'est ça? Non, je sais plus. C'est quoi? C'était quoi l'expression? Je ne sais plus. On va aller par là. Par là, par là. Parce que je sais pas trop où je vais, mais on va foncer dans le temps. Hein. La mémoire semble un peu abîmée quand même, hein, autour. Mais le monsieur a survécu. Il a une grosse cicatrice sur l'œil, il a pris un petit coup de vieux, il a laissé pousser ses cheveux un peu plus. Comme moi, mais quelle idée. Que je dois localiser les criminels. Et alors? Ah. Vous l'avez trouvé? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler. Remuage de couteau dans la plaie. Merci, BG. Benjamin Franklin, c'est donc lui que Shay recherche. Franklin s'est rendu en Angleterre et en France. Or, ce type a parlé de Notre-Dame. Shay doit être à Paris. C'est le moment de faire tes preuves. Éliminez la menace. Protégez Franklin. Ouais, mais s'il allait plus vite, le... Oh, ça ira plus vite à pied. Ah, parce qu'en plus, ils me poursuivent. Je suis désespéré. Mais accélère, ne fais pas quelque chose, je sais pas moi. Ça va pas plus vite que je le tue avec une arme. Et le mec, il se tape un sprint. En fait, j'étais pas censé les rattraper. C'est bon. Il est là, attrapez-le. Ouh. Ouh. Hey, pitié, à l'aide. Il ne nous échappera pas cette fois. Donc là, on est à Paris. Avant les événements d'Unity. Eh merde. Que s'est-il passé? On est à court de données. C'est impossible de continuer. Pour l'instant. Shay n'a pas pu mourir et réapparaître en France 20 ans plus tard. Il nous manque une pièce. Les mémoires de Shay sont éparpillées dans le cloud. Et ah, le bah c'est moi qui suis nul alors. Foutu en l'air les serveurs, on peut pas y accéder. Ouais, t'es pas pressé. Il a décidé de s'arrêter à chaque machin sur lequel je sautais. Et moi, je suis occupé. Tu devrais aller voir Otzoberg. Tu le trouveras dans un des bureaux. Otzo. Donc, il avait bien raison qu'à deuxième, il y avait un cinquième ordinateur ici, mais comme je n'étais pas allé le voir... T'es fermé. Monsieur Otzoberg. Oula. Shay Cormac est un assassin. Mais sans commune mesure avec ceux de vos logiciels de divertissement. Je pense que Shay est peut-être le plus important de tous les assassins de l'histoire. C'est donc toi qui es la voix de Morgan Freeman. Vos efforts enfin, Benoît Hellman, quoi. À trouver quelque chose que je recherche depuis très longtemps. Et l'histoire de Shay. Merci pour l'info, BG. Vous bénéficiez. J'ai mal au pouce. On peut utiliser un autre serveur pour accéder aux prochaines mémoires de Shay. Excellent. Mais j'ai besoin des cobayes si vous voulez qu'on continue. Vous savez quoi faire. Mais réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. William Johnson, Templier. Lawrence Washington. Eh, tu vas patienter, chérie.
Shay, Achille Davenport, Kess, Gowaz. Faudrait que j'arrête d'appeler toutes les dames chéries dans les jeux. Hop, Liam a dévoilé le chasseur. Alors pourquoi il a mis un truc dans le chasseur là comme ça? S'est-il passé quelque chose dont on n'est pas au courant? Mais j'aime pas que tu m'appelles le cobaye. C'est pas gentil. Je suis pas un hamster ou un cochon d'Inde. Tu peux trouver mieux. J'ai encore envie de la faire râler. On va attendre. Otsoberg va devenir Black Cross. Ah bon? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas qui c'est. Je... Hello, Seba Gaming. De la team poulet. Eh ben écoute, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Ouais, elle a pas de vouloir râler. Bon, elle veut plus râler. Elle est sympa. J'en ai eu marre d'attendre les techniciens de Mélanie. Alors j'ai réparé ce truc pour qu'ils fassent l'aller-retour jusqu'à la réception. Tes yeux ne bougent pas du tout de manière naturelle. Ça me perturbe. J'ai ajouté l'emplacement du serveur suivant sur ta carte. Vas-y. Tout va bien, madame? Elle doit être aveugle, en fait. Ou alors, je sais pas, il y a des trucs qui l'attirent dans le décor, non? Ok, je m'attendais pas à ça. Allez, retournons voir Sean et Rebecca à la réception. Merde, j'ai oublié. Le serveur est protégé par une sécurité de niveau 1. Je vous ai assigné une autorisation de niveau 1. J'espère que nous n'aurons pas à subir de nouveaux retards. Parfait, tu peux accéder à la salle des serveurs. Quand t'auras rétabli les serveurs, je chargerai la suite des mémoires de Shay dans ton animus. Cette personne vient de me rentrer dedans. Y a-t-il notre ordinateur à voir par ici? Centre de caméra par là, là y a rien. Donc on va partir directement à gauche. Tu es entré. C'est parce que je dois. Oh non! Pas le truc de télécharge. Non mais non. Ah bah j'ai réussi quand même. Ça a été pas compliqué. Vas-y BG, dis-nous tout. Si ça spoil pas les jeux. Commencez. Go, go, go. Qui êtes-vous? Ne la touchez pas. Oh, par pitié, maîtrisez-le. Vous, donnez-moi l'enfant. Tout va bien. Elina. Calmez-vous, monsieur Berg. Je vous promets que je ne ferai pas de mal à votre fille. Qui êtes-vous? Je suis Warren Vidic, d'Abstergo Industries. Vous avez quitté le régiment d'outils Jaeger pour devenir mercenaire et offrir à votre fille Elina un meilleur traitement contre la mucoviscidose. Avouez que ce n'est guère conclure. Père Calais. Merci beaucoup, Seba. Bienvenue. J'ai une offre à vous faire. Je ne travaille pas pour des inconnus. Non, pas ce genre d'offre-là. Je vais sortir un objet de ma poche. Qu'est-ce que c'est? Cette petite pilule? Eh bien, c'est pour elle. Tiens, mon enfant. Prends ton cachet. Non! Là, là, ça va mieux, hein? Cette pilule peut la guérir. Elle n'est pas sur le marché, mais vous pouvez l'obtenir en participant à un petit programme d'entraînement que j'ai mis au point. Qu'est-ce qu'Abstergo attend de quelqu'un comme moi? Vous ne travaillerez pas pour Abstergo. Mais si vous donnez satisfaction, Abstergo travaillera pour vous. Je ne veux qu'une chose avant d'accepter. Dites-moi. Ce type, là, il a fait peur à ma fille. Je comprends. Messieurs, relâchez Monsieur Berg. Jenkins, donne-lui ton arme. Quoi? Maintenant. Oui, chef. Satisfait? C'est un début.
Ah ouais, ok, ça y va mal hein, quand même. Donc sa fille, qui est sa fille à ce monsieur? Et donc oui, merci pour ton abonnement. Coucou Lulu, c'est Bagaming. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans ma bulle. En espérant que tu pourras te faire plaisir ici. Les données sont rudimentaires, mais ça suffira pour avancer. Allez, remonte, dépêche-toi. On dirait qu'en rétablissant les serveurs, on a purgé le virus de certains systèmes. Félicitations, vous avancez à grands pas. Je suis impatient de découvrir ce que Shay nous réserve. Ah, j'ai coupé encore une fois le dialogue. S'il y a bien les ordinateurs à regarder. Le niveau 1 te permet aussi d'accéder à d'autres secteurs de l'immeuble. Si t'as envie de te dégourdir les jambes entre deux sessions dans l'animus. Oui, j'ai envie. Elina Berg. Et Otzeberg reprend ce rôle. Attendez. Donc celle qui me parle, c'est Elina Berg. Ah bien sûr, là c'est niveau 3. C'est niveau 3, pas de bol. Et là ? Non. Merde. Pourquoi ça marche pas ? Où est-ce qu'il est l'autre ? Il était à gauche. Décimé aujourd'hui et... J'ai du mal à vous suivre encore une fois. Alors... On va commencer comme ça. C'est quand même compliqué ça, c'est sur le même cercle. Comment je peux faire du coup? Ah, ça y est, c'est bon. C'est chaud, hein? J'adore ce plateau rouge, moi je suis pas fan. Voulez-vous bien m'expliquer l'attentat de Paris? Gavin Banks a conduit une équipe d'assassins à votre laboratoire et l'a détruit. Ce labo était censé être indétectable. Comment l'ont-ils trouvé? Banks est un associé notoire de Sean Hastings et Rebecca Crane. Ces individus ont déjà réussi à infiltrer Abstergo. Qui plus est, ce n'est pas qu'un vulgaire assassin. Il collecte des informations. Ils ont trouvé un moyen d'accéder à vos serveurs Helix. Plus rien n'est top secret. Ce centre était dédié à l'étude du sage que nous avons trouvé l'année dernière à Montréal. Si vous m'aviez informé de son existence, l'équipe Sigma aurait pu protéger vos intérêts. Vous avez attaqué Banks ? Sorkin et moi les avons suivis de Paris à La Rochelle, où un bateau les attendait. Il y a eu une fusillade, mais ils étaient trop nombreux. Sorkin a été poignardé à 7 reprises par un assassin russe, une certaine Galina Voronina. Et ils vous ont échappé? Entendons-nous bien. Je suis formé à chasser et tuer les assassins. C'est vous qui avez dissous mon équipe pour m'envoyer chasser des chimères aux quatre coins du globe. Je vous avais prévenu que cela arriverait. Écoutez, je sais reconnaître mes torts. Je vous autorise à reformer l'équipe Sigma. Il me faut Dacosta. Impossible. Elle est encore à Montréal. Je la veux. Berg, je vous ai déjà fait des excuses, n'en abusez pas. Notre impératif est de trouver d'autres sages. Alvaro Grammatica m'informe que Mélanie Lemay a un certain nombre de pistes à Montréal. Dacosta en a pour longtemps? Elle est en avance au niveau des pare-feux et de la sécurité. Mais Helix intéresse les assassins, Erudito et la conscience de la première civilisation. Bref, il y a eu plusieurs contretemps. Qu'en est-il de la sécurité physique? Il y a des vigiles sur place. Je veux y aller. Tiens donc, je vous croyais trop précieux pour vous occuper d'affaires triviales. Je veux que Dacosta réintègre mon équipe, et si ce bâtiment est visé, je tiens à assurer ses arrières. Je pourrais également sécuriser les lieux, à ma façon. Très bien, je vais préparer les documents nécessaires. Au même titre que Dacosta, vous serez consultant d'Abstergo Industries.
chargé d'encadrer l'application de nouvelles stratégies. Et entre-temps, envoyez d'autres agents à Paris. Il risque fort d'y avoir des assassins en faction. C'est un des comics plutôt récents, ça, VG, non ? Il n'y avait pas un deuxième, s'il y en avait un deuxième. Toujours sympa d'avoir des audios comme ça ou d'autres types d'éléments dans le genre, mais... J'aurais presque préféré qu'il n'y ait pas ces machins-là, en fait. Ah, nouveau personnage. À l'instar d'Aitam Kenway, Daniel Cross est issu d'une lignée d'assassins, puisqu'au moins deux générations d'Orelov ont servi la confrérie. La dépendance aux drogues de Daniel Cross et sa psychose provoquée par l'animus ne doivent pas faire oublier ses nombreuses contributions à la cause des Templiers. Sous l'influence de Warren Vidic, il a été infiltré dans la confrérie jusqu'à gagner leur confiance et rencontrer leur insaisissable mentor. Sa programmation subliminale activée, il a tué le mentor et déclenché la première grande purge moderne. Al-Mualim, Arras, Valis Eltradat, Baptiste, Duncan Walpole, Aitam Kenway, Lucy Stillman, Daniel Cross. Ce ne sont là que quelques exemples éloquents de ce que j'ai toujours ressenti. Il y aura toujours des assassins prêts à abandonner leur cause pour servir la nôtre. Pourtant, nul n'incarne mieux ce concept que Shay Cormac. Une douloureuse réalité à laquelle je veux confronter les assassins. Ok. 1974-2012. Donc ouais, ok, tu parlais des derniers comics que t'as lu, donc tu m'as envoyé des images, alors. Je crois que je peux pas encore y aller, là. Non. Donc, Assassin's Creed The Fall, Assassin's Creed The Chain, ok, vous avez du mal à lire sur la vidéo. Assassin's Creed Brahman, donc de Mélanie Lemay, date 5 août 2014, objet Triomphe des Borgia. Borgia, je sais pas comment ça se prononce, je crois que c'est une mauvaise piste de s'appesantir sur sa famille bancale. J'ai corrigé son pitch initial, ça donnerait quelque chose comme ça. La quête du Rodrigo Borgia pour réformer les excès irrationnels et la corruption de l'église catholique et son ascension jusqu'au Saint-Siège. Soyez les témoins privilégiés de sa vie, de ses réformes et de sa mort improbable. Sinon, le programme est excellent, c'est du beau travail, toutes mes félicitations à ton équipe. ML. Est-ce que j'y croise d'autres choses éventuellement sur la carte ? Ça a l'air d'aller. Bah, je voulais voir plus de l'aquarium, moi. C'est quand même super classe. C'est terrible les gens qui laissent leur tablette comme ça par terre, on pourrait marcher dessus. À Robert Fraser, de Mélanie Lemay, à Victoria Bibot et à Eden Sinclair. Date 10 juin 2014, objet Arnaud Dorian. Ah ! Arnaud Dorian, bonjour Robert, vous nous avez été chaudement recommandé et je suis ravi de vous compter parmi nous. Pour commencer, je vous ai affecté à ce projet très spécial. Votre sujet est Arnaud Dorian, son histoire se passe pendant la Révolution française. Je compte sur vous pour décortiquer sa vie sur toutes ses coutures. Le but du jeu est...
En même temps, non, c'était en même temps qu'il est sorti Unity. J'allais dire, ah bon, ça va, ils avaient bien. Mais en fait, non, forcément, les deux jeux étaient en développement en même temps. Le but du jeu, c'est d'avoir un nouveau blockbuster à mettre sous la dent des grandes pontes d'Abstergo l'année prochaine. C'est donc un projet hautement confidentiel. Votre supérieur direct sera Aiden Sinclair, en copie. Vous ne pourrez discuter du projet qu'avec Aiden et moi-même, avec personne d'autre. Vous aurez sans doute à vous connecter plus que de raison à votre Animus. J'ai donc pris la liberté de vous prévoir un rendez-vous hebdomadaire avec votre psychiatre, le docteur Bibo, en copie, pour vérifier que vous ne souffrez pas d'un effet de transfert. Bienvenue à Abstergo Entertainment, je compte sur vous, ML. Donc, The Forge of Chain, Brahman. Ok. Nommé juste Assassin's Creed en 3 volumes. L'épreuve du feu, soleil couchant, retour aux sources. Deux comics, Templars... Qu'est-ce que tu entends par là, Urtica? Deux comics, Templars, centre sur les Templiers de Otso Auberg. Je suis moins résistant. Est-ce que j'avais un truc de niveau 1? Je peux entrer par là apparemment. Uprising 2, 3. Bon, en fait, je peux seulement avancer à peine plus loin par ici. Et je ne vois rien de particulier à les découvrir, donc tant pis. Ça pique l'oreille au bout d'un moment, ces écouteurs. Voilà. Du coup, direction, plan de travail, on y est et on y retourne. Donc ça, c'est juste après notre chute. Ami ou ennemi? D'enfoncer une porte ouverte, je tiens à dire que j'ai jamais rien vu d'aussi insensé. Shay a subi une expérience particulièrement traumatisante. Ok, les portes ouvertes, je suis pas la seule à les enfoncer. Continuez à explorer ses mémoires. Le meilleur reste à venir. Je me rappelle que t'étais à fond BG, ouais. Sur l'acteur des comics. New York, juin 1756. Ah, il y a un chat. Il y a un chat, Team Chat. Non, je ne relance pas. Oula. Ah. Ravi de te voir sur pied. Merci. Monsieur Finnegan. Sainte mère de Dieu. Aurait-on recueilli l'idiot du village? Barry. Souviens-toi, Shay. Je m'appelle Cassidy et voici... Barry. Ça fait des semaines que tu es ici. Je vous ai importuné. Tu vois, il est très civilisé. Pour un matelot, oui, peut-être. Je parie qu'il était ivre quand il est tombé par-dessus bord. Barry. Il a raison. Qu'est-ce que vous voulez? Que se passe-t-il? On va aller voir les assassins, on va essayer de tuer Dugus. Identifie l'origine du bruit. Et ça va pas l'aider si les assassins sont là pour tuer les deux Gugus qui sont là. Comment oses-tu, misérable? Tais-toi, femme! Laissez-la tranquille. Bah, c'est une sacrée baraque qu'ils sont en train de repeindre en plus. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ne t'en mêle pas, crétin! J'en avais pas l'intention.
Mais là, tu me forces la main. On n'est pas en très bon état, donc... Et ne revenez plus ici. Merci, Shai. Il fut un temps où j'aurais pu les vaincre d'une seule main. Qu'est-ce que ces hommes vous voulaient ? Oh, comme d'habitude. Ils pensent qu'on doit leur donner de l'argent pour qu'ils nous laissent tranquilles. Si ça continue, ces brigands finiront par mettre la ville à genoux. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Coucou, Solarium. Tu ne vas quand même pas continuer à te promener tout nu. Tiens, enfile ça. C'était notre fils. Et puis, si tu cherches les ennuis, tu vas avoir besoin de ça. Merci. Oh ! N'avons-nous pas là un vrai gentilhomme ? Casse ! Avais-je un livre avec moi ? Seulement ces armes étranges. Merci à vous deux. Je dois partir maintenant. Donc le manuscrit repose au fond de l'Atlantique. Ah, c'est une bonne chose. Pour lui, du coup. Par rapport à ses objectifs de base, non ? Si le manuscrit repose au fond de l'Atlantique. Le mec est capable de faire un saut de la foi. Apparemment, je suis obligé de le tuer. Que vous avez tous contre les Finnegan. J'ai rien contre eux. C'est mon chef qui m'envoie. Ah oui. Alors où se trouve ton chef ? Il va bien mieux quand même. On va le rater. Une fumée noire plane toujours au-dessus de la cour de son bâtiment. Ouais. En quelques secondes, j'ai vu le truc tuer. Ça va, Salarium, et toi ? Les chefs de gang se cachent et tentent de vous prendre en embuscade, mais vous pouvez contrer leurs attaques. Si vous entendez des murmures, c'est qu'un capitaine se cache dans les parages. Utilisez alors la vision de l'aigle pour le focaliser grâce à la boussole de danger. Celle-ci se remplit à mesure que vous vous rapprochez de la cible. Pas compris. Les chefs de gang se cachent et tentent de vous prendre en embuscade. Vous pouvez contrer contrer leurs attaques. Et cours, bonhomme, cours. Ah, il craint pas ça. Mais il est passé où? Vous allez vous attirer des ennuis. Je vais crever encore. Une catastrophe. Vers la Louse et au-delà. Non mais on connaît le principe.
va essayer de refaire le tour, parce que ça m'avait bien, plutôt bien réussi au final, là. Non, par là. C'est bon. Bah viens me chercher. Joli petit cas de liste, vous arrivez à survivre ce soir. Ah, tiens dans la tête. Bah ça va, ça se passe bien. Et l'étendard qui est là-bas. Bah c'est parti. Ah oui, mais c'est un truc des assassins ça, en fait. D'accord. C'est sacrément moche ce machin. Possible, s'il te plaît. Oh punaise. Vers la Louse et au-delà. Alors on y retourne. Toi, ce sera la bonne. De quoi qui marche pas pour toi? Ah oui, non, faut attendre effectivement un petit moment avant que ça se relance. M'a vu. Bah ouais, vous allez détecter, bah forcément. Mais est-ce que tu peux pas le... Mais est-ce que tu peux pas le tuer juste? Arrête d'être coincé dans le décor, s'il te plaît. Le mec, il court 50 fois plus vite que nous, bien sûr. Oh, mais lâchez-moi, s'il vous plaît. Je sens que c'est les premiers signes de... Il va falloir que j'arrête. Pars pas sur les murs, pars pas sur les murs, pars pas sur les murs. Mais je m'en fous de celui de gauche. Ah, moi je m'en foutais de celui de gauche. Je m'en foutais de celui de gauche, t'es bien gentil, mais je m'en foutais royalement de celui de gauche. Pourquoi t'as tiré sur celui de gauche? Ça me désespère. Et il me gave. T'en as pas marre? T'en as pas marre? Je m'en fous de l'autre. Pourquoi tu tires sur l'autre? Bon, en général, je préfère l'infiltration, mais là, à la base, je voulais pas essayer de le tuer. C'est lui qui m'a repéré. Pourquoi je peux pas le parer? On m'explique. Arrêtez, vous allez vous attirer. Vers la Louse et au-delà. On a 34 minutes de rediff.
Si je vois que je continue à m'agacer, j'arrêterai là parce que ça sert à rien. Quoi. On va pas refaire un Black Flag 2. Ah non, je suis pas fatigué, je me suis énervé aujourd'hui, donc j'ai un caractère de schtroumpf, voilà. Descends, descends. Merci. T'as plein de camarades en face de toi. Voilà, bien. Et de 1. Continue comme ça, s'il te plaît. Efficacité proche du zéro absolu. J'aime bien faire ça. Il est là le mec. Non mais les mêmes, je les entends, t'inquiète pas. Le problème c'est pas d'avoir du mal à repérer le gars, c'est D'ailleurs il est passé où? Est-ce que c'est qu'il m'a repéré? Les murmures, justement, c'est la présence du mec. Non, mais me dites pas qu'il m'a repéré, qu'il est en train de se barrer, en fait, le gars. J'ai pas l'impression d'avoir vu un message. En disant qu'il était par ici, lui. Ah, il y a un machin qui brille, là. Joli comme scène, ça. Et voilà. C'est bon. Quand on se fait pas repérer bêtement dès le départ, ça fonctionne mieux. En fait, je crois que j'ai pas tout récupéré. Ça m'a l'air tellement long. Donc ça, c'est notre personnage. Une banque. De quoi supporter cette fumée? N'ayez crainte, Master Cormac. Nous sommes alliés. Les Finnegan craignaient que vous ne décidiez de prendre les choses en main. Je suis le colonel George Monroe. Colonel ? Je venais vous aider, mais je vois que j'arrive trop tard. Je vous remercie d'avoir éliminé ces criminels. Ils sont une plaie pour New York. Que vous importe ? Les officiers britanniques se comportent en hobereaux. Et pendant ce temps-là, le bon petit peuple se tue à la tâche. Je ne puis vous tenir rigueur de cette impression. Certains de mes camarades ne témoignent guère de sollicitude. Le jeu est pas moche, encore une mais fois. Mais je nourris un autre but. Et quel est-il? Les colons. J'œuvre pour leur sécurité, leur prospérité. De nobles paroles. C'est par les actes que j'entends vous convaincre, Master Cormac. Allez, je te suis. Tenez, prenez donc ce qu'ils ont volé. Il faut consacrer une partie de cet argent au bien de la ville. Vous n'avez aucune raison de vous fier à moi, Master Cormac. Vous êtes bien un ami des Finnegan?
Je le suis. Leur défunt fils travaillait pour moi. Vous lui ressemblez beaucoup. Comment ça ? Il se souciait du peuple et voulait l'aider sous tous les moyens. Lui et moi avions un rêve commun. Faire de ce monde un endroit meilleur. Survivre n'est guère suffisant. Un ventre plein, des vêtements chauds. La véritable liberté est de vivre à l'abri du besoin. À vous entendre, vous tenez en haute estime ceux que vous gouvernez. Je ne gouverne pas, Master Cormac. Je ne fais qu'encadrer. Local magistrates would like to remind you that it is your duty as citizens to keep your stocks and bilboes in top condition. Vous voyez cet édifice en ruine, Master Cormac. Nous pouvons le réparer. Le renouvellement urbain est une science jeune, mais elle a déjà fait ses preuves sur le continent. J'ai fait venir des ressources. Servez-vous-en pour redonner vie à ce bâtiment. Rénovation. Les rénovations sont une source de revenus non négligeable. Vous devez acquérir les ressources nécessaires afin de pouvoir les effectuer. Alors, ça va me coûter 20 de tissu. Bon, ça va, j'ai encore de la marge. C'est pour ça qu'on avait besoin de pierre à un moment. C'est magnifique. Le quartier va enfin renaître. New York est appelé à prospérer sous votre tutelle. Vous accomplirez des miracles pour cette ville et ses habitants. Faites-en votre mission. Ils comptent sur vous. Pour l'heure, adieu. Bon bah du coup finalement j'ai réussi à 100%. C'est pas si mal. Il y a un truc à découvrir là-bas. C'est vrai, ils ont l'air contents les gens. Le colonel a tout d'un homme d'honneur. Il s'emploie à aider son prochain. Et il a peut-être raison. Après tout ce qui s'est passé. Après tout ce que j'ai fait, je ne peux changer le passé. Mais peut-être ai-je un avenir ici. Et cette fois, je ne m'engagerai pas sur la mauvaise voie. Je devrais retourner voir les Finnegan pour leur dire que je vais bien. On va retourner les voir d'ici peu, mais pour l'instant, on va faire ça. Plutôt joli, hein. C'est un peu le principe Albator, justement. De montrer qu'en fait, la frontière est très très fine entre les assassins et les Templiers. Ils ont au final la même mission, mais pour deux raisons différentes. Enfin, de deux moyens, de deux manières. C'est pas pour deux raisons, c'est pour deux manières différentes. Hein, ils veulent tous que les gens se sentent bien, au final. Mais certains pensent que c'est par l'ordre et d'autres pensent que c'est par la liberté. Or, il faut un peu les deux, donc du coup, c'est une guerre sans fin avec des équilibres. S'il y a trop de liberté, c'est un peu le chaos. Et s'il y a trop d'obligations, de règles, c'est du totalitarisme en quelque sorte. Donc voilà. Les rôdeurs embusqués tentent d'attaquer sans être vus. Pour les combattre, parez leurs attaques ou servez-vous des pétards pour les débusquer. Vous pouvez également utiliser la boussole de vision d'aigle pour repérer le rôdeur ou capitaine le plus proche. Rôdeur de gang. Il y a un rôdeur dans les parages. Utilisez la vision d'aigle pour le localiser. Si un rôdeur vous aperçoit le premier, il attaquera. Apparemment, c'est calmé. Hop là, prospérité, c'est bien. J'ai vu que ça va rapporter des bonnes choses, la prospérité, donc autant les récupérer si possible. Donc celui-ci, on l'a fait. Là, il y a un autre coffre à côté. J'ai quand même essayé de ramasser les objets, hein. Ça n'a pas l'air trop long. Contrairement à Black Flag. L'argent que tu gagneras lorsque tu comprends les bâtiments, comment ça?
trouve qu'on est bien sur les jeux. Sur ce jeu-là en termes de couleurs et tout. J'ai l'impression que Connor était plus fade. Peut-être que c'est dans mon, c'est des mauvais souvenirs de ma part. Hein. Donc là, c'est un bastion de niveau 1. Il y a 3 bastions de niveau 2. T'es trop traîné dans le coin. Là, il y a aussi autre chose à faire. On va juste faire celui-ci, on va faire demi-tour ensuite. Parce qu'en plus, je me demande si on pourra pas se téléporter dans les ayants, ces machins-là. Ouais, comme ce qu'on avait avant, en fait, Kyo. Ce qui n'est clairement pas une mauvaise chose, qu'on se le dise. Petit coffre qui m'attend juste ici. Bonjour, monsieur le coffre. Bonne nuit, Andimion. Fait de beau rêve, merci d'être passé. Prends soin de toi, j'espère que ça va aller mieux. Et puis à la prochaine. Salut, bisous. Je l'avais pas vu arriver. Une assassine. Heureusement qu'on est plus solide. C'est vrai? Non mais je sais pas, je voyais un personnage en rouge, j'ai pas fait gaffe si c'était elle ou pas. En fait. On va redescendre. Comment ça, je te jure, tu me jures quoi? Non mais je croyais que c'était un garde normal en fait, qui surveillait le toit. Je m'attendais à la voir apparaître en orange comme le reste, c'est pour ça. J'ai pas géré sur ce coup-là encore une fois. Ouais, mais c'est ça, je m'attendais à voir un truc jaune. Et quand j'ai affiché le truc. Et en fait, non, pas du tout. Non mais j'ai même pas vu que c'était une femme, je... Il a tué des innocents. C'est lui là, je l'ai vu. Non mais vraiment, j'ai rien vu. J'ai rien vu, j'ai rien compris. Il faut la sauver. On va aller voir par là du coup. On va peut-être faire une coupure de rediffusion aussi. Pour qu'Isa puisse partir. Qu'on la laisse aller se coucher tranquille. Qu'elle puisse nous abandonner.
méchant Tisa. Oh, qu'il est le coffre. Coffre. Il va être en haut. Ça c'est génial. Il apparaissait en blanc alors qu'il est au-dessus de nous. Ah bah t'as raison. On va couper ici alors dans ce cas-là. On coupe. Là on a un truc juste en dessous. Une maison à rénover. Ce sera pour la prochaine fois. Donc j'espère que cette rediff vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller courir les vidéos des camarades filmeurs sur appstage.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous encore une fois. Et à ciao tout le monde. Salut.